mallette, Santos. Jamais de la vie. Salut les filles! C'est notre toute dernière soirée concours de body shop, donc on va te saler comme tu le mérites. J'en ai ras le cul de l'amour, j'ai pas l'impression que ça convienne aux lesbiennes du 21e siècle. Pas question que tu portes ça. Je viens de sortir du boulot. Moi j'arrive de Toledo et ça se voit pas pour autant. Je suis pas là pour exhiber la marchandise. Je quitte la ville. Ça tombe bien parce que moi aussi, tu veux aller où toi? T'as là assis en Floride. Ça fait longtemps que je suis pas heureuse. Cette virée, on va la faire ensemble, mon petit cœur. On va se reprendre en main, à quatre mains. Curly Convoyage, votre référence pour la livraison de voitures en Pennsylvanie. Ce cher Curly. M'appelez pas Curly. C'est pas votre nom? Je m'appelle Curly, mais on se connaît pas. Pas de familiarité. On vient pour la voiture. Attendez. Vous avez demandé une livraison à Tallahassee. Et là, ces deux gonzesses ont débarqué en disant qu'elles allaient à Tallahassee. Elles se chargent de conduire à votre place. Ça vous embête? Ça se pourrait, si elles tombent sur les colis. C'est quoi? On devrait y jeter un coup d'œil. Je parie qu'il faut un code. Je comprends que vous soyez contrarié, monsieur. On va récupérer le colis, vous l'aurez bientôt. Tout ce qu'on veut, c'est retrouver vos amis. Tu sais pas parler aux gens, ce qui, dans la prestation de service, peut être vachement handicapant. Ils vous ont retrouvé, les deux tarés? Ils savent qu'on a leur bazar. On peut peut-être leur revendre, les plumer. C'est quoi le problème? Elles sont recherchées? Non, pas du tout, vous inquiétez pas pour elles. Je vais t'aider à élucider un meurtre. J'ai jamais rien entendu d'aussi con. Et je suis flic, je te rappelle. Des démocrates. Eh ben, c'était une grosse journée.